of France Unbowed, Daniel Simonet, told me that the country's history demonstrates that change and violence go hand in hand. Je suis moi profondément pacifique et si moi dès qu'il y a des manifestations de violence, je me mets de côté et je vais là où il n'y a pas de violence. Est-ce qu'on doit regretter les acquis de mai 68 parce qu'il y a eu des violences? Est-ce qu'on doit regretter que dans notre histoire, notre peuple se soit soulevé lors de la Commune de Paris parce qu'il a subi la semaine sanglante? Est-ce qu'on doit se dire que finalement, il n'aurait pas fallu faire la révolution de 1789 alors qu'elle a nécessité à un moment donné des violences. Et que dire de la violence policière envers les jeunes? Les lycéens, la semaine dernière, qui se mettent en grève, bloquent les établissements, on les parque dans une cour, à genoux, les mains sur la tête, parce qu'ils revendiquent, parce qu'ils sortent en grève. Mais ça, c'est quoi cette violence? C'est de la violence d'État. Sur nos enfants. After 4 weekends of protests, Macron finally issued concessions to the Yellow Vests on December 10th. But by the time of Macron's speech, the movement had already spread all the way to the banlieue, the suburbs of Paris where there have been several major uprisings over the years, mostly against racist policing. The sister of Adama Traoré, who was killed in a police cell in 2016, was one of those at this assembly of organizers looking at how to turn the momentum of the Gilets Jaunes into something sustainable and also how to make sure that it's shaped by progressive voices and not those of the far right. L'extrême droite a fait de la récupération. L'extrême droite a fait de ce mouvement de Gilets Jaunes le leur. Et c'est pas le leur, c'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain. L'extrême droite a fait en sorte qu'il y ait de la violence. L'extrême droite a fait en sorte qu'il y ait des actes racistes sur ces mouvements de gilets jaunes. Et les gilets jaunes n'appartiennent pas à l'extrême droite, mais appartiennent à nous, à la population, aux gens du milieu rural et des quartiers populaires. We talked to some of the organizers and activists, and they're telling us about how the LGBT movement is here, the black liberation struggle, the feminist movements, which is really interesting considering how the far right is attempting to use these protests for its own purposes and to its own advantages. Les gens, tout le monde regarde ce qui se passe en France. On sait qu'en fonction de ce qui va se passer en France, ça va avoir des conséquences partout. Pas un mouvement d'extrême droite, c'est pas un mouvement fasciste. Mais il y a des groupes fascistes à l'intérieur. Si nous, on n'y est pas, c'est eux qui vont récupérer le mouvement des Gilets jaunes et ça va finir par Marine Le Pen aux urnes, aux prochaines élections. Et ça, nous, on ne le veut pas. C'est pour ça que nous, déjà, on doit se mobiliser.